bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Enfin, je peux commencer ma partie maintenant de Altar Quest. Et j'ai très hâte de vous présenter ce jeu en action. En fait, j'ai juste hâte de moi-même jouer à ce jeu-là. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient peut-être pas regardé l'épisode 0, j'ai tout fait la mise en place. Je vous ai expliqué aussi un petit peu comment fonctionnait le jeu. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Je vous rappelle que mon bonhomme ici, qui s'appelle Gronan Bosk. Alors, Gronan Bosk, qui, après avoir été capturé par les ennemis, a réussi à s'échapper. Et là, maintenant, il doit être en mesure de sortir du donjon. Donc, il est là. Il doit réussir à se rendre complètement en haut. Alors, on va voir s'il va réussir. OK, donc, évidemment, la première chose que l'on fait lorsque l'on commence une partie d'Altar Quest, c'est la phase du héros, en se basant ici sur la carte qui est là. Alors, on voit qu'au début de mon tour, tous les joueurs doivent redresser leur carte qu'ils contrôlent. Mais là, je commence la partie, donc j'ai rien à redresser. Et ensuite, dans n'importe quel ordre, les héros vont donc résoudre trois actions. Et les actions peuvent être de bouger, utiliser des actions sur des cartes, d'interagir. Bon, alors évidemment, pour ma première action, alors évidemment, j'ai trois petits jetons comme ça. Alors, pour ma première action, je vais bouger de trois parce qu'il faut que je me sauve. Et la porte, elle est ici où je pourrais m'en aller par là. Mais étant donné qu'il faut que je m'en aille dans cette direction-là, on va aller ici, on va faire 1, 2. Et là, faisant partie de l'action du mouvement, je peux ouvrir une porte. Et oh, mesdames et messieurs, ce n'est-ce pas joli et magnifique, cette ouverture de porte-là? Alors, je vais ouvrir la porte. Et là, une fois qu'on ouvre la porte, et là, c'est très important, on va faire ici ce qu'on appelle le dévoilement. On va dévoiler une pièce et on doit suivre des étapes qui sont très spécifiques. Alors, dans un premier temps, il faut que je pige la carte de feature. Donc, on appelle le feature card, la carte d'ameublement. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, on va voir quel est l'ameublement qui se retrouve dans cette pièce-là. Puis, en même temps, thématiquement, qui va placer la pièce en question. Alors, on voit qu'on a un Alchemy Desk. Alors, je vais aller justement chercher ce fameux bureau d'alchimiste-là. Et là, évidemment, je dois la placer dans la pièce. Alors, dans la pièce, on a dans chacune des pièces, donc des petites flèches ici. Et lorsqu'on a, un ameublement qui prend un seul espace, on y va avec la flèche qui est totalement pleine blanche. Quand c'est deux espaces comme celui-ci, je dois le placer sur les deux flèches blanches. Et quand c'est quatre espaces, il n'y a pas trois espaces, quatre espaces. Alors, je vais le mettre ici. Comme ça. Et là, on voit, si on regarde comme il faut, c'est quoi les habiletés spéciales. Alors, dans la phase de la quête, alors j'ai une activation. Donc, les héros qui sont adjacents à cet ameublement peuvent se redonner un point de vie. Et je peux interagir. Alors, lorsque j'interagis, il faut que je sois à 1 de distance. C'est ça ici, le petit 1 entre parenthèses. Je peux faire justement, qui est une action en passant. Donc, je peux faire une recherche. Alors, la recherche me permet de me trouver différentes potions. Et là, c'est encore plus thématique parce qu'on est en plein sur une zone d'alchimiste. Alors, peut me permettre de trouver des potions et aussi de ramasser des jetons d'équipement. Puis après ça, pour chaque jeton d'équipement que je vais avoir, pour chaque jeton d'équipement que je vais avoir gagné pendant ce test, je peux choisir un personnage dans cette pièce et lui redonner un point de vie. Alors ça, où est-ce que je place exactement cette carte-là? Alors, je dois la mettre dans la zone de quête. Alors, je la mets juste à côté ici de l'hôtel, donc de la carte qui spécifie l'hôtel en question. Alors, lorsqu'on va faire la phase de quête, alors on va commencer par la carte qui est là. On va faire ensuite, on va s'en aller tout le temps vers la droite. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et c'est comme ça qu'on va agir dans chacune des phases. Et là, évidemment, j'ai pas terminé mon mouvement. En fait, c'est pas juste que j'ai pas fini mon mouvement, mais j'ai pas fini de révéler la pièce, parce qu'une fois qu'on a révélé donc l'ameublement, alors il faut que je pige une carte de quête, justement. Alors je vais prendre justement une des cartes de quête et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors ça s'appelle Rune Hall. Alors c'est un corridor en ruine. Oh boy, moi celle-là, c'est le fun qu'on commence avec celle-là. Alors, on dirait qu'il y a des petits filaments de jour qui passent à travers la noirceur qui nous appellent justement vers la liberté.
Alors, justement, en sortant en entrant dans la pièce, notre cœur s'emballe alors que l'on voit vraiment des petits bouts du rayon de soleil dans le plafond, mais rien d'autre. Il n'y a pas de porte ici. À tout le moins, pas de porte que l'on peut voir au-delà des débris, donc des piles de débris qu'il y a un peu partout dans la pièce. Peut-être qu'il y a une façon d'enlever ces débris. Alors, on voit que lorsqu'elle est révélée, je dois attacher cette carte à la pièce, donc à la carte d'ameublement. Et lorsqu'elle est attachée, toutes les portes dans cette pièce ne peuvent pas être ouvertes. Et je peux interagir dans la pièce pour faire justement une task, et on voit que la task, le but c'est qu'à chaque fois que je vais réussir à avoir des succès, je vais donc mettre des points de progression, mais c'est tout le temps ici, le task que vous voyez là, c'est task 1, c'est une difficulté de 1, donc je dois enlever un succès à chaque fois que je fais cette action-là, et aussitôt que je vais en avoir 4, je vais avoir enlevé suffisamment de débris pour pouvoir passer ailleurs, pour pouvoir se rendre justement dans une autre pièce. Ah là là! OK, bon, mais c'était pas ce qui était super. Donc, ce que je fais, c'est que je vais l'attacher maintenant hors caméra. Là, je vais l'attacher justement à l'ameublement, à la pièce, dans le fond. C'est ce qui va aller avec la pièce. Et là, c'est pas terminé parce que après ça, évidemment, je dois piger une carte de menace. Et là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. OK, on voit qu'on a... On a une trappe, mesdames et messieurs. C'est la Banner of Morn. OK. Alors, lorsqu'on a une trappe, d'ailleurs que j'ai thématiquement ici, on voit que c'est une bannière et je savais que c'était les trappes sous forme de bannière. Ça, en passant, j'ai ça grâce à la boîte de Stretch Goals. Sinon, vous auriez des petits jetons qui représentent des trappes. Alors, il faut que je le mette. Les trappes, je dois les mettre adjacents. Donc, à l'ameublement le plus proche du héros possible. Alors, on peut pas, même si on peut aller en diagonale ici, on voit, ben en théorie, je pense que je pourrais le placer ici. Parce que ça veut dire que, et d'ailleurs, si on regarde la trappe, là, la trappe, elle a une portée de 2. Donc, aussitôt que je rentre à 2 de portée de la trappe, elle va être obligée de s'activer. On voit que lorsqu'elle trigger, je gagne un threat token. Ensuite, j'ai une task encore que je peux faire pour l'enlever. J'ai besoin de 3 succès. Et lorsqu'on est dans la phase de menace, alors tous les personnages dans cette pièce gagnent un jeton de menace. Et tous les minions, and each minion threat card gains... OK, toutes les cartes de minions qui sont activées vont avoir un jeton d'armure. Et s'il n'y a pas de personnage dans cette pièce... Je pige une carte de menace et je défausse cette carte. Alors, pour l'instant, ça va, ça va pas si mal pour l'instant. Alors, cette carte-là, je la mets dans la zone de mon personnage. Je rappelle que mon personnage a déjà cette carte-là dans sa zone de menace. Alors, on voit que quand je vais activer, c'est une carte qui me permet de justement pouvoir coucher les minions tout de suite lorsque je les découvre, parce que je suis comme caché, donc ils ne me voient pas immédiatement. Mais là, c'est pas une minion que j'ai ramassée, c'est une bannière. Et la bannière est une trappe, et la seule façon de l'enlever, ça va être justement de réussir à faire les différents tests. Alors, j'ai beaucoup de tests à faire dans cette première pièce. Et là, il me restait mon troisième point de mouvement. Alors, je vais me rendre ici, mesdames et messieurs. Je vais me rendre là. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je retourne la petite porte comme ça. Et là, je suis juste ici, dans cette fameuse pièce-là. Et là, ça m'aide pas, parce que dans la pièce qui est là, il y a une porte là, il y a une porte ici, il y a une porte là, puis il y a une porte là. Mais là, présentement, je les vois pas, parce qu'il faut que je sois en mesure d'enlever les débris, je cherchais le mot. Et je pense que je perdrai pas tant de temps que ça. Parce que dans ce jeu-là, là, vous pourriez dire, là, j'ai pas de monstre, donc je peux prendre mon temps, mais il n'y a pas tant la question de prendre son temps, parce que plus j'attends, plus il y a des cartes du gros méchant qui vont s'activer à la fin de chacun de mes tours. Et lorsqu'il n'y a plus de cartes dans le deck de la grosse méchante, qui est Wynora Morn, elle va arriver sur le plateau. Et à ce moment-là,
ça va devenir encore plus difficile pour moi. Alors, plus je prends mon temps, et plus ça risque de devenir difficile. Et là, si on regarde la bannière, on voit que la bannière, elle a deux de range, là, deux de portée. Et on s'entend que c'est toutes les diagonales. Donc, tout ce qui est à deux, donc ça va jusque là, ici. Tout ce qui est autour, c'est une bannière qui va être activée. Donc, aussitôt que je vais marcher et que je vais bouger à ces endroits-là, bien, ça va s'activer. Et c'est là que ça sera pas super intéressant. OK, donc là, il faut que je réfléchisse maintenant à ce que je vais faire comme deuxième action. Je vous reviens. Bon, voyez-vous, là, j'ai mon premier véritable dilemme, là, parce que là, je me demande si je vais vraiment perdre mon temps à essayer de faire toutes ces actions-là, parce que j'ai justement... une pièce qui est remplie de débris qu'il va falloir que je perde du temps à enlever. En plus, la trappe qui est là, qui va s'activer à chaque fois. Je suis allé voir les règles pendant que j'ai arrêté. Donc, à chaque fois que je passe une case dans laquelle la trappe elle va s'activer. Où est-ce que je rebrousse chemin? Donc, ça ici, elle est déjà révélée. Même si rien dedans, elle est déjà révélée pour passer de ce côté-là. Je sais que ça va être un trou perdu. Je vais regarder mes cartes ici, on va regarder, donc on voit que bon, j'ai a once over, que c'est une carte d'action qui permet de faire une recherche et qui peut me permettre également de me gagner un jeton d'armure. Alors c'est quelque chose que je pourrais effectivement faire si je voulais. Ensuite de ça, j'ai Thunder Hammer, ça c'est une attaque, mais ça me donne rien. Puis je vous rappelle que ça ici, je peux les utiliser à la fin de mon action s'il y a cette rune-là de disponible. Ensuite, j'ai Unrelenting Fury qui me permet d'attaquer, mais j'ai Waiting for an Opening qui me permet de subir 3 dommages pour chaque dommage que j'ai subi. Je peux changer un Altar Dice, donc c'est pas des cartes qui sont très très utiles pour moi présentement. J'ai ici l'habilité spéciale de mon personnage qui me permet de défausser justement une rune de diamant et je peux défausser jusqu'à 3 jetons d'armure et ensuite me redonner une vie pour chaque armure que j'ai donc défaussée de cette façon-là. C'est un exhaust, évidemment. C'est la même affaire ici pour le Chip Axe. Alors, à chaque fois qu'on voit ça, Exhaust, c'est des actions qu'on peut utiliser à part de l'action qui est là. Donc, ça me permet de faire un dégât à un ennemi qui est en range. Puis, j'ai mon bouclier. Donc, on voit que là, pour l'instant, j'ai rien vraiment qui peut m'aider. Et je pense vraiment que pour ma deuxième action, je vais m'en aller. Donc, je vais m'en aller de là. J'ai pas le choix. Je pense que je ne veux pas passer trop de temps. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Donc, je vais revenir exactement où j'étais, ce qui n'est pas super. Et pour ma dernière action, ben, je vais faire un autre mouvement, mesdames et messieurs. Alors, je vais faire 1, 2 et 3. Alors là, on est là et lorsqu'on est adjacent, je peux ouvrir. Ça fait partie de mon action. Donc, je vais justement ouvrir la prochaine pièce. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va avoir là cette fois-ci. Alors, je vous rappelle que dans l'ordre, la première chose, c'est que je dois me prendre une feature card. Et on va voir c'est quoi. Ah, c'est le Mystical Mirror. Alors, le miroir mystique. Vous voyez, c'est sûr que s'il était peint, ça serait déjà mieux. Alors, on a un beau petit carré juste en plein milieu. La flèche, elle est là. Donc, le miroir mystique va aller se positionner juste là. Et on voit que le activer... C'est qu'un héros qui est adjacent à cet ameublement peut gagner un jeton d'armure et je peux interroger en faisant encore une fois une recherche. Et ensuite, pour chaque jeton d'équipement que je vais gagner, je peux choisir un héros dans cette pièce qui va gagner un jeton d'armure. C'est toujours très intéressant. Alors, je le mets à la droite dans ma zone de quête, mesdames et messieurs. Ensuite de ça, je me prends une autre carte ici de quête. On voit que c'est Wandering Patrols. Alors, il n'y a pas de chemin clair. Chaque endroit où on semble vouloir aller, il y a des ennemis et tous nos pas comptent. Alors, while the shadow lengthens, those that seek you out grow more cunning. Donc, oui, l'ombre semble avoir beaucoup d'ombre pour pouvoir se cacher, mais les ennemis semblent un petit peu plus intelligents.
Donc, l'élément, avec l'élément de surprise, il n'y a pas de risque d'être détecté. Par contre, si on fonce tête baissée, on pourrait peut-être attirer des ennemis sur nous. Peu importe, il n'y a pas de temps à perdre. Le plus longtemps que... The longer you take to secure your way out, donc le plus longtemps que ça me prend pour trouver une façon de sortir, ça devient plus... plus certain qu'on risque de se ramasser contre des ennemis. Alors, lorsqu'on est révélé, tous les héros avec une copie de Sneaking dans leur play area doivent soit piger une carte from the alert deck ou faire un Resist 4. Oh boy! Alors, on va aller regarder ça tout de suite. Bon, alors, j'ai effectivement une carte de Sneaking qui est juste là. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est soit que je me prends ici une carte dans mon deck d'alerte qu'on a préparé au début de la partie. Et ça, ce deck-là, c'est un deck qui, disons, plus va avancer, il va nous faire mettre des... plus on va avancer, plus on va avoir des jetons de quête sur notre carte de Sneaking. Et on va être obligé de l'enlever. Et là, à partir de ce moment-là, on ne pourra plus se cacher dans l'ombre. Donc là, ce qu'on va faire de bord, c'est que je pense qu'on va faire le premier test, mesdames et messieurs, on va faire un Resist 4. Alors, Resist, c'est des dégâts. Donc, c'est comme si je prenais vraiment des très grands risques pour me cacher dans l'ombre et justement pour essayer de ne pas me faire attraper. Alors, ce que je dois faire dans ce cas-ci, c'est de prendre donc mes dés. Et là, je dois regarder la statistique, parce que la statistique qu'on recherche, c'est la fameuse statistique du clair de lune qui est là. Et le clair de lune, c'est 2. Alors, je dois lancer 2 dés, mesdames et messieurs. Et quand on fait des résists, c'est des dégâts. Donc, dans le fond, chaque succès va me faire baisser le niveau de la difficulté. Et puis, on va voir. Donc, on va lancer les dés, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Et là, on voit que j'ai donc 2 succès, mesdames et messieurs, et j'ai un jeton de focus. Alors, évidemment, la première chose que l'on fait maintenant, c'est que si j'avais un jeton de focus, je pourrais le rajouter donc pour avoir un troisième succès, mais j'en ai pas de jeton de focus. Alors là, c'est à ce moment-ci qu'on va donc faire en sorte que le 4 moins 2, ça fait en sorte que je vais quand même donc subir un magnifique 2 dégâts. Donc, ça commence déjà comme ça. Alors, j'ai 2 dégâts ici que je mets sur mon bonhomme. Mais ensuite de ça, à la fin, je vais me prendre mon jeton de focus que je vais pouvoir utiliser dans mon prochain tour. Alors, c'était ça le test. Alors, j'ai accompli mon fameux test. Et j'ai pas pris donc de carte d'alerte pour avoir des chances justement d'alerter des méchants. Alors, tout ce que je fais, c'est que je mets dans la défausse cette carte de quête là. Et là maintenant on est rendu dans la quête évidemment du minion qui est donc peut-être qu'il va avoir un minion. Alors est-ce qu'il y en a un? Oui, mesdames et messieurs, c'est un Crimson Courtier. On voit qui aime pas beaucoup mettre de chandail. Et là, on voit que lui, il va avoir 6 points de vie. Il y a 6 de distance, donc il va attaquer de très très loin. En plus d'avoir une possibilité de bouger jusqu'à 4. Et on voit son Activate qui va agir. En plus d'avoir une habilité avec cette rune-là, si elle est disponible. Alors, je vais prendre le fameux personnage en question, qui n'a effectivement pas plus sur sa figurine de chandail. Et on va aller le placer au bon endroit dans la pièce. Et le bon endroit dans la pièce, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais dans chacune des pièces, il y a un carré avec un trou à l'intérieur. Alors, c'est là qu'on doit les placer, ou le plus proche d'eux. Alors, c'est là qu'il est présentement situé, mesdames et messieurs. Et, c'est ça. Et puis là, cette carte-là, je vais la mettre dans ma zone donc de menace. Alors, c'est une menace supplémentaire qui apparaît maintenant. Et c'est tout. C'est ce qui va mettre fin à mon tour parce que, ben, je viens de passer à travers mes trois actions. Ça a été une action de bouger et de surtout dévoiler des pièces. Alors, allons-y maintenant. Donc, dans ce temps-là, ce qu'on fait une fois que c'est terminé, on voit ici, une fois qu'on a fait les act phase, les active hero se pige une carte. Alors, regardons c'est quoi la carte que je vais avoir. Donc, j'ai un autre Unrelenting Fury qui va me permettre d'attaquer peut-être le gros méchant. Et ensuite de ça, je flippe la carte et on est rendu maintenant dans la phase de menace.
Donc, dans la phase de menace, je dois prendre ici toutes les cartes qui sont dans ma zone de menace. On commence par celui de gauche et on fait toutes les sections Activate. Alors, on voit ici, c'est écrit Activate. Donc, j'ai le choix soit que je me pige un Lurker card ou que je pige une carte du Alert Deck. Les cartes de Lurker, ce sont des cartes ici qui sont dans ce deck-là et ce sont différents types de méchants qui pourraient m'attaquer. Mais là, je pense que je vais y aller avec une carte d'alerte cette fois-ci parce que je ne veux pas nécessairement avoir trop de minions. Alors ça, c'est des cartes, c'est comme, prenez thématiquement, c'est comme si on essayait de se faufiler dans les pièces et là, il y a quelque chose qui se passe et il faut essayer justement d'empêcher qu'on se fasse pogner. Alors on voit qu'on a la carte qui s'appelle Devise a Plan et là, je dois la résoudre. Alors je dois tester encore une fois le petit symbole de... Donc, qui est là, que je pourrais vous dire c'est quoi, là. Et si je rate mon coup, je place une quest token sur ma sneaking card. Et là, vous allez dire, c'est quoi la problématique? Mais ma sneaking card, ben justement, ma sneaking card ici, là, tantôt, j'ai oublié de vous dire que elle me permet de mettre mon le minion couché. Hein, c'est écrit ici. After drawing a minion threat card, après avoir révélé une pièce, j'exhauste la minion. Donc, ce qui fait en sorte que pendant le premier tour, il ne me voit pas. Et donc, je peux essayer justement de passer à côté. Ça va beaucoup m'aider. Et lorsque je vais avoir un grand total de 3 jetons de quête sur ma sneaking card, dans la phase de quête, je vais être obligé de la défausser. Et là, je ne l'aurai plus. Alors, il faut que je réussisse ça. Alors, c'est un test encore de lune. Ouais, on va régler ça tout de suite, mesdames et messieurs. La lune, c'est... Hein? Oui, la lune, c'est l'intellect. Alors, on va tester mon intellect qui est de 2. C'est la même chose que tantôt. Et là, vous allez peut-être vous dire, mais Martin, comment tu vas réussir à faire 4 succès avec seulement 2 dés? Bien, premièrement, j'ai ça ici qui pourrait m'aider. Et n'oubliez pas que j'ai toujours la possibilité d'avoir des explosions. Hein? C'est tous des succès là-dessus. Hein? C'est tous des succès. Mais là, je dois absolument être en mesure de réussir mon test. Alors, il faut que j'aie au moins 4 succès. Alors, on y va, on regarde ça. Et ah là là! Ça ne sera pas réussi, mesdames et messieurs. Alors, on voit ici que j'ai 2 succès et je pourrais en rajouter un troisième. Mais là, ça me donne absolument rien parce que c'est écrit dessus, il n'y a pas de... c'est pas des dégâts. Si je rate mon coup, je dois mettre un quest token. Donc, j'ai fait du bruit, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Alors, j'ai 2 succès, mais je vais me gagner quand même 2 jetons de focus, mesdames et messieurs, grâce à ce lancer de dés-là. Ce qui fait que maintenant, j'en ai 3. Mais je dois maintenant absolument me placer un jeton de quête. Alors, je me mets un jeton de quête. Et c'est bien écrit dessus, il faut que je la mette sur ma sneaking card. Alors voilà, j'en ai un, il ne faut pas que je me rende à 3. Et ça va aller dans la défausse, donc des cartes d'alerte. Malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné pour ce qui est de ça. Mais là, on vient juste de faire celle-là. Et là, il faudrait que j'active ma bannière. Mais pour activer, donc tous les personnages dans cette pièce gagnent un threat token. Et là, c'est écrit, s'il n'y a pas de personnage dans cette pièce, ce qui est le cas, je dois piger une threat card et je dois défausser cette carte. Alors, c'est exactement ce qu'on va faire, mesdames et messieurs. Et là, donc, je vais défausser cette bannière-là, cette trappe. Alors, je vais la mettre dans la défausse des menaces. Je l'enlève également du plateau. C'est quasiment intéressant pour revenir dans la pièce. Et je dois placer la prochaine menace. On va voir c'est quoi. Donc, c'est un autre minion ici. C'est la Feral Mother. La Feral Mother qui est celle-ci. Donc, on voit qu'elle semble pas très contente. Alors, elle va apparaître dans ma pièce active. Et là, même moi, j'ai de la misère. On voit qu'elle va apparaître juste ici. Alors, voilà. Elle va apparaître quand même très proche de moi. Et on voit que elle a pas l'air d'être de bonne humeur et ils sont quand même assez forts, hein? C'est 6 points de dégâts. Hey boy, je vous dis tout de suite que ça sera pas nécessairement facile. Alors voilà, la Feral Mother vient d'apparaître. Et là, ce qui est un peu bizarroïde, c'est que... Alors je dois la placer ici à la droite. Alors ce qui fait en sorte que là, maintenant que
la threat, elle est par... faut juste que je vérifie quelque chose parce que effectivement, est-ce que si la carte vient d'apparaître là, est-ce que je dois l'activer immédiatement? C'est des choses qui m'arrivent pour la première fois parce que j'avais jamais eu ce type de trappe là auparavant. Avant, c'était des trappes qui faisaient surtout des dégâts, alors que là, c'est des trappes qui amènent plus un effet et une trappe qui disparaît lorsqu'il n'y a plus personne dans la fameuse pièce. Fait que donnez-moi juste quelques instants, je veux savoir si je vais activer effectivement cette carte de menace immédiatement. Phew! Alors effectivement, une chose que j'ai regardée, donc lorsque des cartes de menace apparaissent au moment où on est dans la phase de réaction, dans la phase de menace, bien on les active pas. Donc on voit que celui-là, il était couché. Alors dans sa phase de menace, il va devenir disponible et la Feral Mother vient elle-même d'apparaître. Donc elle ne s'activera pas dans ce tour-ci. On est quand même relativement chanceux. Par contre, vous allez vous rendre compte que ces minions-là, ils bougent quand même beaucoup. Et puis, on n'a pas vraiment la chance de vraiment pouvoir s'en débarrasser à moins des combats. Ensuite de ça, on va tomber dans le Villain Turn. Alors, on va résoudre justement le Activate du Villain. Alors, le Villain, je vais monter jusque-là. On va regarder c'est quoi exactement... le Activate. Alors si on regarde là-dessus, là je veux juste être sûr, oui. Alors tous les minions, donc oups, oui. Alors tous les minions se redonnent un point de vie, mais là sont au maximum. Et si il n'y a pas de minions en jeu, chaque personnage faut qu'il fasse un résist 3. Et là, on a effectivement un dé comme ça. Alors tous les héros doivent défausser un focus ou subir un dommage. Alors là, une fois qu'on l'a utilisé, je le relance. Et on voit que je viens d'avoir donc une goutte d'eau. Donc la goutte d'eau, je vais la replacer ici dans la zone avec les autres runes. Alors, je dois subir, mesdames et messieurs, je vais défausser un focus. Ouais, là, je n'irai pas trop bas. Hein. Donc, un focus, si on regarde ici, j'en ai, ou subir un dégât. Donc, je vais défausser un focus parce que je ne veux pas nécessairement avoir de dégâts. Et puis après ça, ben, dans la phase du villain, ce qu'il faut faire, c'est piger une carte de villain. Alors on va voir qu'est-ce que Ryan of Morn va faire. On voit que ce sont toujours des événements. Les événements, on doit les activer immédiatement. Alors tous les personnages adjacents à un ennemi subissent un dégât, ce qui n'est pas le cas de mon personnage présentement. Et tous les ennemis adjacents à un personnage se redonnent un point de vie. C'est toute la thématique donc des vampires. Et si aucun personnage subit de dégâts de cette façon, donc c'est « if no character, each character must resist 4 ». Oh là là! Il faut que je fasse un test de « resist 4 » parce que c'est comme si on se faisait attaquer. Alors je vais redescendre la caméra. Eh boy, hein? C'est ça, les résistes, en passant, juste pour vous dire, les résistes, ben, c'est la même chose que tantôt. Donc, parce qu'il y a des mots, hein? Donc, il y a une différence entre un inflict et un resist. Resist, c'est des dégâts directs, alors qu'un inflict, on peut se protéger par nos boucliers. Et là, si on regarde, c'est un test de diamant, j'appelle ça. Et j'ai 3 quand même. J'ai 3 dés. Et là, c'est un test 4. Donc, chaque succès diminue la difficulté. On va espérer se rendre à 0. On lance ça. Oh, regardez, j'ai 1. J'ai 1, 2, 3 succès. Et avec celui-là, ça va être un... Parce qu'en passant, ceux qui ont 2 icônes, c'est pas un ou l'autre. Je peux utiliser les 2. Alors, j'ai mon 4e succès, donc je ne me ferai pas de dégâts. Et en plus, je vais le regagner sur l'autre ici. Donc, j'ai quand même bien lancé. Et ce qui fait en sorte que j'ai pas de dégâts à ce niveau-là. Alors, j'ai réussi à passer à travers le test, justement, de la méchante. OK. Ensuite de ça, ben, ce qui nous reste, c'est le quest. Alors, Questern, on va commencer par ça ici. Alors, tous les héros qui n'ont pas de copie de Sneaking dans leur Threat Area, faut que je me pige une Threat Card. Et chaque héros qui ont 3 ou plus de jetons de quête sur leur carte Sneaking doivent soit la défausser ou soit piger une carte de menace. Mais là, pour l'instant, ça va, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Ensuite de ça, on a ici notre Altar qui est un Activate. Alors, je dois lancer each non
Alors, toutes les dés qui sont pas les genres de tournée d'Aldaiden, donc je suis obligé de relancer tous ces dés-là. On va juste regarder, c'est Altar Disease. Then, each hero may discard one card to change one Altar game. Donc, je peux défausser une carte pour changer une carte donc d'Altar de mon côté. Et chaque héros dans in the Altar Room, l'Altar Room n'a pas encore été découvert. Donc, je peux pas faire ça ici. Et si je réussis à avoir ça, s'il y a ça dans un des lancers de dés, alors je dois défausser une carte ou subir un dégât. Alors, j'ai pas le choix. En passant, si j'avais eu donc ce symbole-ci, je le relançais pas parce que justement, c'est le symbole que recherche. En passant, tous les symboles ont un rapport à quelque chose. Là. Juste pour vous dire que c'est pas nécessairement des symboles aléatoires. Alors, on va lancer et on voit que on vient de reprendre ça. Donc, c'est la première carte d'hôtel comme ça que je vois qu'à chacun des tours, ça va faire changer. Justement, donc des fois c'est des choix qu'on a. Donc là, ce que je peux faire, c'est défausser une carte pour changer un dé. Mais j'ai pas besoin de changer de dé. Je pense que j'ai tout ce que j'ai besoin. Fait que pour l'instant, ça va quand même bien. J'ai rien à faire. On passe à côté à l'Alchemy Desk. L'interact, c'est l'activate. Je veux dire, c'est les héros qui sont adjacents. Puis celui-là aussi, pour ce qui est du Mystic Mirror, si j'étais adjacent, il se passerait quelque chose, mais c'est pas le cas, mesdames et messieurs. Alors, on a terminé, imaginez-vous donc, notre premier tour. On tourne la carte de côté, et là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, je redresserai mes cartes utilisées. Je retourne mes trois jetons, ici, qui représentent mes actions. On voit que j'ai mis deux jetons de focus. Et on est prêt déjà, oui, on dirait que ça fait déjà 30 minutes que j'ai commencé. On y va pour le prochain tour. Fait que vous comprenez que c'est pas un jeu qui est facile à filmer parce que j'ai des cartes partout. Fait que vous allez comprendre que des fois, je vais peut-être vous amener des cartes qui sont hors caméra. Bon. Là, les personnages... OK. Là, c'est les cartes que j'ai en main. Puis, on voit que j'ai quand même mes cartes d'attaque. En passant, mon attaque, si vous regardez ici, ma force, elle est quand même qu'à 2 dés. Puis, il faut que je fasse au moins 6 dégâts. Mais, ce qui est quand même intéressant avec celui-ci, comme par exemple le Unrelenting Fury, c'est que j'attaque une fois. Et ensuite, je peux subir un dommage pour bouger jusqu'à 2 espaces, mais je peux rester sur place et réattaquer une deuxième fois. Ça pourrait être intéressant. Puis, j'ai malheureusement pas la rune ici qui représente... Donc, tantôt, si j'avais vraiment regardé mes affaires, j'aurais pu changer ça. Bon, est-ce que mes personnages... Est-ce que les minions ont des boucliers? Fait que oui, il y a des boucliers. Donc, avec cette carte-là, je pourrais justement me faire un dégât pour enlever le bouclier. Le bouclier s'enlève, donc un succès. Ça, c'est pour faire une recherche. Ah, c'est intéressant ça, par exemple. J'ai quasiment envie de faire ça. OK, bon. C'est un peu bizarre ce que je vais faire, mais je vais commencer par bouger. OK? Donc, je vais bouger. Je vais faire 1, 2, 3. Bon, je vais tourner ça ici comme ça. Alors là, en théorie, je suis adjacent, hein, parce que dans ce jeu-là, la diagonale fonctionne. Pour ma deuxième action, je vais utiliser cette carte-là qui s'appelle A Once Over. On voit qu'elle a un range de 1. Et la première chose que je fais, c'est que je fais une recherche. Et pourquoi c'est une action? Parce que c'est une carte d'action. OK? Et donc, c'est une carte que je vais défausser une fois que je vais l'avoir utilisée. Donc là, ma statistique qu'on utilise, c'est ma statistique principale qui est ici à 3. Donc, je vais lancer 3 dés. Et là, je vous rappelle qu'il n'y a pas de difficulté sur ce lancer-là. Alors, ça fait en sorte que tous les succès vont premièrement me permettre de me prendre une carte de recherche et toutes les autres, ce sera des jetons d'équipement. Fait que ça, c'est quand même très cool. Puis, en passant, ma statistique principale, c'est la fortitude. C'est ma résilience et ma dureté. Alors, j'ai justement 3 dés et je vous rappelle que j'ai la possibilité d'utiliser également 2 jetons de focus. Alors, on va voir. Ouais, OK.
On y va. Oh, OK. Donc là, j'ai deux succès. Un, deux. On voit que j'en ai un troisième et c'est un burst. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer un autre et on voit que j'ai un focus. Alors, le focus, je pourrais l'utiliser pour avoir un autre succès, mais je ne ferai pas ça, mesdames et messieurs, parce qu'avec trois succès, la première chose que je me fais, c'est une carte de recherche. Alors, on va regarder c'est quoi. On voit que c'est The Ancient Scroll, qui est un consumable. Alors, je peux l'utiliser pour changer deux Altar Dice à la résultat de mon choix, mais quand on fait un Use, on la défausse, ou je peux la coucher pour relancer, pour lancer un Altar Dice. Alors, ça, c'est intéressant. Ça, c'est cool. Alors, ça, je la mets dans ma zone de mon personnage. Et après ça, les deux autres succès, dans le fond, c'est des jetons d'équipement. On a des jetons d'équipement qu'on peut utiliser à plusieurs choses, dont un, on peut dépenser un jeton d'équipement pour rajouter un dé dans notre lancer de dé, mais on peut le faire qu'une seule fois. Donc, je ne pourrais pas utiliser 4 jetons d'équipement pour rajouter 4 dés. Alors, ces deux jetons d'équipement, c'est super, et que je vais mettre dans mon inventaire. Et en plus de ça, mesdames et messieurs, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que je me fais un troisième jeton de focus. C'est toujours bon d'avoir des focus. Alors ça, c'est super. Et là, il ne faut pas oublier que ma fameuse carte ici, OK, bon, j'ai pas terminé. C'est écrit « Ensuite, je peux subir un dégât. » OK, et lorsqu'on subit des dégâts, il n'y a pas d'armure. Pour coucher un minion in range. Alors, on va le faire, mesdames et messieurs. Je vais me donner ici mon troisième dégât. Je vous rappelle que j'ai 14 points de vie. Et donc, lui est en range, je le couche, ce qui fait en sorte qu'il ne s'activera pas au prochain tour. Alors ça, c'est quand même intéressant, je vous dirais. Et non seulement ça, mais regardez en plus, est-ce qu'il y a ce symbole-là dans les runes? Alors oui, effectivement, si vous vous souvenez, j'ai ce symbole-là. Alors je me gagne un jeton d'armure. Alors les jetons d'armure, lorsque je me fais attaquer, je peux les dépenser après ma propre armure pour m'enlever justement des dégâts. Donc je prends ça, je mets ça et là je vais relancer ma rune hors caméra et là vous voyez que c'est cette fameuse dé là que j'aime pas nécessairement super beaucoup. Alors voilà, c'était quand même mon deuxième tour. Alors cette carte là je la mets tout simplement dans la défausse. Alors voilà, et écoutez, regardez bien ce que je vais faire. Regardez bien ce que je vais faire. D'ailleurs, je vais ramener ça ici. Alors, j'ai sur mon personnage, je vous rappelle que j'ai la Chip Axe. Je pourrais l'utiliser pour faire une action d'attaquer, mais je vais à la place l'utiliser pour faire le fameux Exhaust. Alors, pour l'Exhaust, je vais utiliser cette rune-là. Alors, ce qui est écrit dessus, c'est que je fais un dégât à un ennemi qui est en within range. Alors, lui est en within range. Alors, je couche ma hache et je fais un dégât que je vais mettre donc sur la carte du méchant. Il reste 5 points de vie. Et sans oublier, en passant, je dois relancer ce dé-là immédiatement. On voit que c'est ça. Et d'ailleurs, je vais le laisser là parce que je vais aussi faire la même chose avec mon shield, alors mon bouclier. On voit que cette rune-là, que j'avais d'ailleurs en passant, là, que j'avais dans une autre rune. Alors, je gagne un jeton d'armure. En passant, mon personnage, il est spécialisé dans les jetons d'armure, mesdames et messieurs. Alors, je vais relancer mon dé. On voit que j'ai repris ça. Et non seulement ça, regardez bien. Alors, l'habilité spéciale de mon personnage, alors je vais utiliser une autre des runes que j'ai présentement, qui est justement celle-ci. Alors, je peux défausser jusqu'à 3 jetons d'armure et je vais me redonner un point de vie pour chaque jeton d'armure que j'ai donc défaussé de cette façon-là. Alors, j'en ai 2 jetons d'armure, mesdames et messieurs, 2 jetons d'armure, et ça va me permettre de me défausser 2 dégâts. Voilà, et ce qui fait en sorte qu'il ne reste qu'un seul dégât sur mon personnage. Voyez-vous les magnifiques combos qu'on peut faire? Ensuite, je relance ce dé, et on voit que c'est un feu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire? Pour l'instant, je vous dirais que non. Bon, je replace tout ça. Je trouve que ça a été quand même un très bon tour. Mais c'est pas fini, là. Je veux dire, il me reste encore un mouvement. Et là, je pense que j'ai envie de faire un autre mouvement. Faire 1, 2, 3. Et il faut que je dévoile la prochaine pièce. Alors, on va dévoiler la prochaine pièce, mesdames et messieurs. On y va.
Parce qu'on est juste à côté, à moins que... Non, on va aller là. On va aller ici. Donc, on va dévoiler la prochaine pièce. Vous savez qu'il y a plein de choses qui se passent. Donc, je vais essayer de juste grossir un tout petit peu que vous puissiez voir qu'est-ce qui va se passer dans cette pièce-là. Alors, comme toujours, on a une feature. Alors, on a la fameuse Bless Mountain. Alors, la Bless Fountain, en fait, qui est... est-ce que c'est... Non, c'est pas l'Altar Disease. C'est pas... je pensais que c'était la fameuse... l'hôtel qui venait d'apparaître, mais c'est pas le cas. Est-ce que je l'ai, là? Oui, ici. Regardez, elle est magnifique. Alors, c'est une 4 espaces. Alors, je vais la mettre ici. Alors, lorsqu'elle va s'activer, un héros qui est adjacent peut lancer un Altar Dice. Puis, lorsque je fais des recherches pour toutes les jetons de supply que j'ai gagnés pendant ce test, je peux relancer un dé d'Altar. Bon, moi, c'est pas la chose la plus extraordinaire, mais c'est pas grave. Ensuite, on va regarder, toujours dans le dévoilement, c'est une carte de quête. Alors, on a ici un Wandering Patrol. Alors, il n'y a pas de piste claire. Each way scrolling with enemies, donc il y a des ennemis un peu partout. While the shadow lengthens, those that seeks you outgrow more. Il me semble que c'est la même chose que tantôt. Ben oui, c'est encore des Wandering Patrol. Alors, c'est la même chose que tantôt, c'est la même carte. Je ne savais pas qu'il y avait des cartes identiques, mais oui, effectivement. Alors, lorsqu'elle est révélée, tous les héros qui ont un sneaking in their play area must either draw one card from the alert deck ou résister 4. Là, j'ai plusieurs possibilités, par contre, de résister. OK, donc, je vais résister encore, mesdames et messieurs. Je vais résister. Alors, si vous vous souvenez bien, j'ai 2 dés. J'ai 3 jetons de focus. OK. Mais, j'ai aussi, je pense que je vais utiliser un équipement pour me donner un troisième dé. Alors, je recherche 4. OK, je recherche 4. Ah, ben c'est, regardez-moi ça, c'est quand même... Très bien réussi. Alors, j'ai 1, 2, 3, alors 4, mesdames et messieurs. Donc, j'ai résisté, pas de dégâts. Et ça va bien. Mais en plus de ça, non seulement ça, mais je me refais encore 2 autres. N'oubliez pas que je ne peux pas en avoir plus que 5. Mais 2 autres jetons de focus. Oh oui, mesdames et messieurs. Oh oui, ça va bien. Ça va quand même bien. Alors, j'ai mis la carte de quête dans la défausse. Alors, et là, je remets les 4 jetons. Wow, OK, ça va bien. Mais là, n'oubliez pas que là, il me reste encore une carte de menace à placer. Et on a une autre trappe. Ah, non! Alors, je pense que la trappe la plus proche de moi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, je vais la mettre là. Ah, non, j'aime pas les banners. Là. En passant, j'ai oublié quelque chose. Je vais essayer de les placer dans quelques instants. Vous voyez qu'il y a comme une petite couleur ici. Ça, c'est juste pour... mettre en dessous les fameux petits ronds de couleur pour savoir, évidemment, quand il y a plusieurs ennemis du même type. Donc, on met ça. Donc, par exemple, on voit qu'elle, la Feral Mother, c'est une jaune. Alors, il faut que je sorte un petit rond jaune pour la mettre sur elle. Bon, c'est un petit oubli, là. J'imagine que même Martin du futur vous en a pas parlé. Puis l'autre, c'est un vert aussi. Donc, on a juste à regarder sur les cartes pour nous dire de quelle couleur ils sont. Bon, ben la bannière, qu'est-ce qu'elle fait cette fameuse bannière of Mourn? Alors, lorsqu'elle trigger, c'est encore une fois des threat tokens. Les threat tokens, les jetons de menace, là, qui, je l'ai expliqué dans l'épisode 0, là, mais c'est du sang. Donc, lorsqu'on a des jetons sur nous, il est écrit qu'à chaque fois qu'un personnage... qui subit des dommages d'une carte de menace de minion, ce personnage doit défausser un jeton de menace pour chaque dommage qu'il subit, et pour chaque jeton de menace qui a été défaussé, le minion se redonne un point de vie. Puis s'il n'y a pas de dommages, instead gains un armor token. Fait que les jetons de menace représentent comme l'appel du sang, on pourrait dire ça. Puis là, ben, c'est aussi 3. Là, je pourrais pas toujours
me sauver. Hein. Je pense que je n'aurai pas le choix d'y aller, mesdames et messieurs, cette fois-ci. Alors, je vais mettre ça dans ma zone de menace pour cette fois-ci. Et voilà, je pense que j'ai tout fait. Effectivement, j'ai terminé mon tour. Alors, je vous rappelle que lorsqu'on termine notre tour, on prend ici les cartes et j'en pige une autre. Et on voit qu'on a Waiting for an Opening, qui est une feat. Les feats, on peut les jouer n'importe quand. Alors, je peux subir jusqu'à 3 dommages et donc, c'est encore pour changer des Altar Dice. Fait que, voilà, c'est des cartes qui pourront peut-être m'aider. Mais là, c'est la situation du plateau, mesdames et messieurs. Donc, la situation du plateau, vous voyez, il est quand même placé comme ça. On a 2 minions. Je me rapproche un peu, je vous dirais. Mais on va terminer, donc, cette phase-là. C'est la phase de menace. Du gros méchant et du quest, de la quête, et ensuite on aura terminé donc ce premier épisode. Bon, alors la menace. Alors pour la menace, on a premièrement le sneaking qui est là, alors qui est écrit activate. Soit je pige un lurker card ou je me pige une carte du alert deck. On va y aller avec la carte d'alerte. On va voir c'est quoi cette fois-ci. Alors c'est awkward position, c'est la force cette fois-ci. J'ai besoin d'avoir 4 succès. Bon, encore une fois, le gros avantage que j'ai présentement dans cette partie, c'est l'avantage d'avoir tous ces jetons. Mais encore encore faut-il que je puisse réussir. Et là, j'ai 2. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que je réussisse à avoir ces symboles-là, sinon ça ne marchera pas. Alors, j'ai 2 dés. Je pense que je vais utiliser mon dernier équipement déjà. Ben, c'est pas un scénario qui utilise les équipements pour d'autres choses. Alors, je vais me rajouter un 3e dé. Alors, regardons, ça me prend 4. Ah, c'est raté! C'est raté! Ah, c'est pas le fun, ça! Ah, non, 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 non. Ah, ça, c'est vraiment pas le fun. Et là, évidemment, je vais gagner mon 5e et dernier jeton de focus. D'ailleurs, il est où? Oh, il est là. Alors, mon 5e et dernier jeton de focus, mesdames et messieurs. Mais j'ai raté. Oh, c'était... Je pensais pas rater celui-là. Alors, je dois mettre un deuxième jeton de quête. Donc, je place un deuxième jeton de quête, mesdames et messieurs, sur Sneaking. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, en tout cas, on continue. Donc, je vous rappelle que le prochain dans la liste, c'est lui qui était déjà couché grâce à mon action que j'ai faite. Donc, je le redresse, ce qui fait en sorte qu'il ne m'attaque pas. Mais là, on a la Feral Mother. La Feral Mother, elle va bouger de 5 et elle a un range de 1. Il faut qu'elle soit adjacente à moi. Donc, ce qui fait en sorte qu'elle ne... Mais là, il faut faire attention. Hein. Donc, premièrement, quand on regarde Engage, ça veut dire qu'elle va se rapprocher de moi. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours en ayant en tête que, évidemment, elle ne peut pas passer à travers le feature, là, mais elle est là, mais elle n'est pas en range, donc elle ne peut pas m'attaquer. Puis là, c'est écrit Inflict 5. Si elle n'est pas capable, elle engage encore une fois. Donc, elle va se rendre 1, 2. Donc, elle va se rendre, je pense, le plus court qu'elle peut se rendre. Là. Je pense que ça va peut-être être même ici. Alors, elle va se rendre ici. Et là, après ça, elle va faire un Inflict 5, mais en utilisant cette statistique-là. Et nous autres, on a 2. Oh! Mais ça, c'est un inflict. Hein? Donc, inflict, on peut se faire protéger par nos boucliers. Donc, voyez-vous qu'ils sont quand même très, très, très agressifs. Alors là, j'ai 2. Mais là, c'est 5. Hein? Et Seigneur! Ça va faire mal, ça. Et là, je vous rappelle que Each time a character with threat token. Non, attendez, c'est quand que je ramasse des threat tokens cette fois-ci? Ok, fait que c'est pas inscrit nécessairement que je me ramasse des jetons de menace quand ils me touchent. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Malgré que la prochaine, c'est ça qui va arriver. Donc là,
Je me Ah, Seigneur, c'est complètement raté. Non seulement ça, mais voyez-vous, ça me fait donc deux succès. Donc j'ai 5 moins 2, ça me fait 3. Et mon bouclier, c'est 1, donc c'est 2 dégâts. Donc, finalement, c'est quand même pas si mal. C'est pas si mal, mais c'est 2 dégâts. Donc je vais me ramasser 2 autres dégâts. Donc ce qui fait que sur mon personnage, j'en ai maintenant 3 dégâts. OK, puis après ça, ben, il y a effectivement un dé comme ça. Donc tous les personnages dans cette pièce avec cet ennemi se ramassent justement un jeton de menace. Donc en plus de ça, j'ai un jeton de menace que je rajoute. Et là, c'est à partir de maintenant, c'est des jetons de menace qui va pouvoir redonner de la vie ou des jetons de blessure. D'armure plutôt. Alors c'était elle qui s'est activée. Donc on relance ça ici pour avoir un petit diamant. OK. Hey boy. Puis après ça, bien, c'est la bannière. Donc, activate chaque personnage dans cette pièce. Gagne un threat token. Et chaque minion threat... Ah, ben regardez ça, c'est intéressant. Et chaque minion threat card gains one armor token. OK. Donc, ça, c'est très intéressant. Mais s'il n'y a pas de character in this room, draw one threat card and discard this card. Ah, ben c'est intéressant parce que... Effectivement, je suis pas dans la pièce officiellement, donc ce qui fait en sorte que ce qui va arriver va arriver, mais c'est pas très intéressant pour moi malgré tout. Ouais, sauf que c'est ça. Donc ça s'en va. Donc encore une fois, c'est une bannière qui quitte, mais la bannière qui fait finalement apparaître une threat card et oh my god, note Feral Mother. Qui sera pas activé ce tour-ci. Cette fois-ci, elle est bleue. Oh, puis elle, ben, elle va apparaître dans la pièce que je suis présentement. Et la pièce que je suis, c'est là. Et elle va donc apparaître le plus proche de moi, qui va être ici, autour de du fameux l'endroit où elle doit être. Et là, on voit que ça commence à devenir assez serré, mesdames et messieurs. Ouf! OK. Bon. J'ai pas l'impression que je vais me rendre très très loin, ou en tout cas tout le moins il va falloir que je commence à... Je pense qu'il va falloir que je commence à attaquer parce que là il commence à avoir trop de monde. OK, on est rendu... Oui, on est rendu au méchant, donc au villain phase. Alors si on regarde ici, donc tous les minions se heals un dommage. Alors le Crimson Courtier qui avait un dégât se remet donc un point de vie. Ça c'est pas le fun. Et s'il n'y a pas de minion en jeu, bon ben il y en a des minions en jeu. Et est-ce qu'il y a ce symbole-là ici? Ben oui, il est là, regardez ce fameux symbole. Alors tous les héros doivent défausser un focus ou subir un dommage. Alors on va, je pense, enlever un focus. On en a tellement de focus présentement sur le plateau. Alors je vais relancer le dé qui va retomber sur la même chose encore. Et ça, on n'aime pas vraiment ça. Il faut juste se souvenir de ça pour le prochain tour. Ensuite, on va se piger la fameuse carte. Alors, on voit que c'est le Crawling Terror. Alors, tous les héros doivent défausser une carte ou résister 4. Ben, faites-vous-en pas. J'ai tellement de cartes dans ma main que je pense que je vais m'en défausser d'une sans problème. Je pense que j'ai besoin de mes cartes d'attaque, donc je vais m'enlever un Waiting for an Opening. Alors voilà. Et ensuite de ça, bien, c'est la phase de la quête. Alors on va commencer par ici, The Escape. Alors tous les héros qui n'ont pas de copie de Sneaking doivent avoir un Threat, donc ça va, c'est fait. Tous les héros avec 3 ou plus, ben, j'en ai 2. Ensuite de ça, c'est l'Altar. Je rappelle que je dois relancer tous les dés qui ne sont pas des ronds mauves. Et donc, j'en ai... Il y en a un qui est en rond mauve, donc je vais lancer les 4 autres dés. Voilà. Oh boy, OK, c'est du vent et de l'eau. Et ensuite de ça, je peux défausser une carte pour changer un dé de l'altar. Puis, ça me tenterait quasiment de le faire, mais j'ai d'autres choses que je peux faire plus tard. Alors, chaque héros dans l'altar room, c'est pas le cas. Et ensuite de ça, ben, justement, ce fameux dé-là qui est là, donc c'est il est là, donc je subis un dégât ou je défausse une carte. Bon, on va se défausser d'une carte, je ne veux pas subir de dégâts.
J'aime bien attaquer deux fois de suite, donc je pense que je vais y aller avec le Sundown Armor que je vais mettre dans ma défausse pour ne pas avoir de dégâts. Et ensuite, je dois relancer ce dé-là qui redevient du vent. Alors, c'est un tour de vent. Ensuite, ce qui reste dans la quest area, c'est seulement les features. Il faut être adjacent aux features. Et il n'y a personne qui est adjacent sur aucun ameublement. Alors, c'est ce qui met fin à ce deuxième tour. Et comme vous pouvez voir, mesdames et messieurs, je suis présentement terriblement entouré par plein de méchants. Et je vous rappelle que là, je suis là et il faut que je me ramasse complètement en haut ici. Juste là, ça regarde pas bien. Je pense qu'on va arrêter là pour ce premier épisode. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Je m'excuse, je sais que la difficulté à vous présenter tout le plateau grand complet avec les cartes et tout, mais l'important c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne. Je pense que vous avez vu pas mal la base du jeu en tant que tel, donc j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire, le Valet de cœur, au www.levalet.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon. Puis donc tout ça là, allez dans la description de la vidéo et vous allez avoir plein de liens pour ma campagne Patreon et aussi pour pouvoir vous procurer un chandail à l'effigie de la zone jeu de société. Et d'ici la prochaine fois, bien amusez-vous dans le temps des fêtes avec vos jeux de société et on va se revoir très bientôt.